Hey! Qu'est-ce que tu fais? J'ai faim. Je mange ma pâte. Vous trouvez ça ridicule? Et pourtant, vos propres cellules ne sont pas loin de faire la même chose. C'est un phénomène très contrôlé, qui n'intervient ni n'importe quand, ni n'importe comment, mais nos cellules sont capables de détruire leurs propres constituants pour récupérer de la matière. Autrement dit, elles sont capables de manger des morceaux d'elles-mêmes, et c'est ce qu'on appelle l'autophagie. Pour comprendre ce qui se passe, il faut déjà réussir à se représenter l'intérieur d'une cellule. Les cellules sont des sortes de bulles d'eau entourées d'une membrane de lipides, c'est-à-dire de gras. Si on schématise le contenu d'une cellule animale, ça ressemble à ça. Au sein d'un liquide appelé cytoplasme, on retrouve un noyau contenant de l'information génétique sous forme d'ADN et pas mal de petits éléments délimités par leur propre membrane de lipides, les organites. On pourrait comparer la cellule à une ville où chaque organite correspondrait à un bâtiment aux fonctions précises. Les mitochondries sont des centrales de production énergétique, le réticulum endoplasmique est un site de fabrication de protéines et de lipides, l'appareil de Golgi est un point de contrôle qualité des protéines et de préparation à l'exportation. Mais ce schéma est trompeur, il donne l'impression que nos cellules sont des villages où on peut circuler facilement d'un organite à l'autre, alors que pas du tout. Il faudrait plutôt visualiser nos cellules comme des villes futuristes bondées et grouillantes, avec des transports à tous les niveaux, y compris dans les airs, et qui se croisent dans tous les sens. Et l'autophagie dans tout ça. Si on compare toujours les cellules à des villes et les organites à des bâtiments, l'autophagie est un processus de démolition qui peut viser un bâtiment, voire un quartier, et qui permet de le détruire sans abîmer le reste et en récupérant au passage tous les matériaux de construction. En pratique, une double membrane, le phagophore, se met progressivement en place autour d'une partie du contenu de la cellule jusqu'à l'encercler complètement. La structure alors obtenue est appelée l'autophagosome. Jusque-là, pas de destruction en vue. L'autophagosome n'est qu'un moyen de confinement, mais il est capable de fusionner avec un autre organite, le lysosome. Comme son nom l'indique, celui-ci a la capacité de lyser, c'est-à-dire de détruire les composants cellulaires, y compris les autophagosomes et ce qu'ils contiennent. Les briques moléculaires obtenues après cette destruction sont alors libérées dans la cellule où elles peuvent être réutilisées. Voilà le principe global de l'autophagie. Pour voir une animation de ce que ça peut donner, allez jeter un coup d'œil à cette vidéo. L'autophagie est un phénomène normal qui a lieu en permanence dans nos cellules. Elle permet notamment d'éliminer les structures cellulaires abîmées. En gros, on peut considérer l'autophagie comme un processus d'entretien et de recyclage hyper efficace. La cellule met tout ce qui est cassé dans des autophagosomes sacs poubelles, le fait démonter par des lysosomes et récupère les matériaux pour les réutiliser. Et ça ne s'arrête pas là, il y a aussi une autophagie de crise. En cas de carence nutritionnelle, les cellules peuvent déclencher l'autophagie de parties non abîmées d'elles-mêmes pour récupérer des nutriments. Cela reste évidemment bien contrôlé pour éviter que la cellule ne finisse par se tuer en essayant de survivre. Ce qui peut quand même arriver dans des situations extrêmes. Mais les cellules génétiquement modifiées incapables de faire de l'autophagie meurent de toute façon beaucoup plus tôt en cas de manque de nourriture. On sait aujourd'hui que l'autophagie est un processus nécessaire au bon fonctionnement de nos cellules et qui peut être mobilisée de façon spécifique pour répondre à différents stress. Elle intervient au cours du développement embryonnaire et permet de lutter contre les agents infectieux. Son dérèglement peut même entraîner des maladies, comme certains cancers ou pathologies neurodégénératives. Bref, l'autophagie, c'est important. Et c'est pour ça que les travaux de Yoshinori Ohsumi ont été récompensés par le Prix Nobel de médecine 2016. En effet, si le terme autophagie est utilisé depuis 1963, notre compréhension des mécanismes impliqués dans ce processus doit beaucoup aux recherches menées par Ohsumi depuis les années 90. Normalement, la durée de vie d'un autophagosome est de 10-20 minutes, ce qui passe très vite. Ohsumi a d'une part affamé les levures sur lesquelles il travaillait pour y induire l'autophagie, et d'autre part stoppé le fonctionnement des structures qui dégradent les autophagosomes. Cela lui a permis de stabiliser les autophagosomes pour pouvoir les étudier. Il a ainsi découvert de nombreux gènes impliqués dans l'autophagie chez la levure et caractérisé leur rôle dans ce processus avant d'identifier des gènes équivalents chez les mammifères. Oui, notre compréhension de l'autophagie lui doit beaucoup. Il n'a pas eu un prix Nobel pour rien en même temps. En tout cas, la prochaine fois qu'on vous dira « Si t'as faim, mange ta main », vous pourrez répondre que vous êtes déjà en train de le faire. À l'échelle cellulaire. Je vais devoir terminer cet épisode en vous annonçant une mauvaise nouvelle. Et plein de bonnes nouvelles qui vont plus ou moins avec. Mais commençons par la mauvaise. le rythme de publication des vidéos sur la chaîne ne va pas vraiment s'améliorer dans les mois à venir. Mais c'est pour la bonne cause, parce que j'ai enfin retrouvé du travail, du coup forcément j'aurai moins de temps libre à consacrer à biologie tout compris. Mais, autre bonne nouvelle, à défaut de vous retrouver fréquemment sur YouTube, on va avoir pas mal d'occasions de se retrouver dans la vraie vie. Tellement d'occasions en fait que j'ai pris des notes pour ne pas en oublier une. Tout d'abord, le samedi 14 janvier de 16h30 à 18h, je serai à la médiathèque François Mitterrand de Clamart dans le cadre de l'opération La Science se livre qui porte cette année sur le thème de la santé. J'y discuterai vulgarisation sur YouTube en compagnie d'un certain Julien Meignel. Les 21 et 22 janvier, je serai à Paris pour le tout premier festival Vidéosciences, l'envers du décor, qui est organisé au carrefour numérique de la Cité des sciences et qui a le bon goût d'être gratuit. Les 18 et 19 février, je serai à Nice pour le Play Azure Festival avec pas mal de copains de Vidéosciences. Et enfin, le 2 avril, je serai à Lyon pour la prochaine édition de Lyon Science. Bref, je vous dis à très bientôt, dans la vraie vie, si ce n'est pas sur YouTube.